samba yo. Demba samba te samba ele samba reu samba yo. Nyungi chiyo kubakubana fokanane du samba yo. Au nom des chauffeurs et transporteurs de la gare routière de Kolda, remercie de vive voix l'autorité administrative, en l'occurrence le préfet du département. Ce que nous assistons aujourd'hui, c'est pour une première qu'on ait une visite d'une autorité administrative, en l'occurrence le préfet. C'est pour une première et c'est des gestes vraiment à saluer. Nous, ce qu'on peut dire aussi quelque part du préfet, que vraiment de loin, de près, il est en train de nous accompagner pour la bonne marche de la gare routière de Kolda. Maintenant, à travers aussi ce geste de désinfection de la gare routière, on salue quelque part l'implication aussi de la municipalité qui a eu à mobiliser l'équipe d'IFERA et aussi remercier de vive voix le mouvement Kolda Debout, qui ne cesse de ménager aucun effort pour accompagner les chauffeurs. Ce n'est pas une première hein, avec le mouvement Kolda Debout. Lors du Covid, ils nous ont accompagnés en termes de darrain alimentaire. Ils ont toujours accompagné. Ils n'ont jamais attendu à ce que nous, chauffeurs, les sollicitent. Ils ont tout le temps, par le canal de Mamar Saliou, qui nous appelle, quelles sont vos préoccupations, je leur ai dit que c'est ça, et ils sont en train de suivre. Et remercier aussi, je vais saisir l'opportunité, remercier le ministre de l'Agriculture, qui n'a cessé de ménager aucun effort pour l'accompagnement de ces chauffeurs qui sont là, qui étaient trop impactés. Chers participants, les citoyens de la commune de Kolda, qui ont répondu fortement à l'appel du préfet de Kolda en rapport avec la commune, dans le cadre des activités du comité départemental de gestion des épidémies. À la suite du CDD déroulé la semaine passée, deux activités ont été programmées par le CDD, à savoir aujourd'hui l'investissement humain que nous réalisons au niveau de la gare routière de Kolda, mais également demain les activités qui sont prévues au niveau du marché. C'est dans le cadre justement de la riposte contre la Covid que ces activités sont programmées et la commune avec le département, le préfet, déroule ses activités et je remercie au passage, en tout cas, toutes les populations qui ont répondu spontanément pour accompagner l'activité. Comme quelqu'un l'a dit, eh bien, cette commune, c'est la nôtre. Elle sera ce que nous ferons d'elle. C'est pourquoi nous avons justement bien magnifié la présence de Kolda Debout pour accompagner l'activité des autorités étatiques dans le cas de la riposte contre la Covid au niveau de la commune de Kolda. Je voudrais profiter pour dire, monsieur le préfet, la commune, nous la partageons tous. Aujourd'hui, ce que je voulais faire comme appel, que les citoyens, quand des écrits sont prévus, que c'est de s'adresser au maire de la commune de Kolda. Parce que la gare routière est une compétence dévolue à la commune. Sous l'égide du préfet, ce que j'ai dit, c'est à côté du préfet, et je sais ce que j'ai dit. Je vous demande, pour ce qui concerne la commune, toutes les activités que vous déroulez, venez vers le maire, on le fait ensemble. Il n'y a pas de distinction par rapport à ça. Ça, je voulais insister par rapport à ça. Qu'il n'y ait pas de tiraillement dans ce que nous faisons. Voilà donc notre présence ici au niveau de la gare routière. C'est juste pour répondre à l'appel par rapport à un engagement citoyen qui a été lancé et que le mouvement Kolda Debout en tout cas a proposé ses services. Le mouvement Kolda Debout a proposé ses services pour bien sûr essayer d'apporter sa pierre à l'édifice parce que l'entretien de la cité, il y va, n'est-ce pas, de la contribution de tout un chacun. Donc, fidèles à notre credo et à notre sacerdoce, nous serons toujours là et nous allons toujours répondre présents quand Kolda en a besoin. Et donc, aujourd'hui, il était question de venir au niveau de la gare routière et de nettoyer et désinfecter. Et par conséquent, nous nous sommes mobilisés, en tout cas, au niveau des cellules que nous avons dans les quartiers. Aujourd'hui, nous sommes à la gare routière et demain, nous serons au niveau du marché central. Parce que pour nous, nous ne devons pas attendre d'être sollicité ou bien d'être appelé à quoi que ce soit, mais nous devons toujours répondre présent et aller découvrir les besoins des populations, découvrir les besoins de la communauté et essayer d'apporter en tout cas notre contribution. Comme je l'ai dit tantôt, c'est la philosophie du mouvement Kolda Debout. Kolda sera ce que nous en ferons.
Et en tout cas, nous posons des actes allant dans ce sens et nous espérons continuer, Inch'Allah. Aujourd'hui, j'ai eu le plaisir de venir dans le cadre des actions du comité départemental de gestion des épidémies, accompagné de M. Amadou Pauline Diagne, chef de la division régionale de l'environnement, prendre part à cette importante activité de nettoiement et de désinfection. J'insiste donc, il s'agit du nettoiement de la gare routière et de la désinfection, qui est donc une activité programmée par le comité départemental à la suite de la réunion du comité technique restreint tenue avant-hier. Et j'ai été heureux de noter, juste après cette réunion du comité technique restreint, de noter vraiment l'offre de service du mouvement Kolda Debout pour accompagner cette belle initiative qui consiste à nettoyer et à désinfecter. C'est la raison pour laquelle je remercie vivement le mouvement Kolda Debout pour son accompagnement en vue de faciliter la réalisation de ces activités importantes. Je signale que la gare routière, au regard donc de cette maladie Covid-19 qui continue à sévir, et compte tenu également de l'assouplissement des mesures qui a permis de constater la reprise du transport interurbain, vous savez tous qu'il est nécessaire d'accorder une attention particulière à la gare routière de Kolda, qui est une gare routière interurbaine. Ça, c'est un aspect important. Pour ce qui concerne donc les activités de nettoiement et de désinfection, donc il y a lieu de remercier également le maire de la commune de Kolda, donc qui a mis à disposition donc son équipe ainsi que donc des moyens roulants pour vraiment faciliter l'évacuation également des ordures. Comme vous le savez, donc les activités citoyennes sont très importantes et nous serons toujours donc preneurs en ce qui concerne la participation citoyenne pour le développement de la commune de Kolda. Donc il me revient également de remercier le président de la gare routière, donc qui également a mobilisé ces éléments pour que vraiment le nettoiement et la désinfection puissent se dérouler dans de très bonnes conditions. Donc il y a eu un esprit d'équipe qui a prévalu ici et c'est ce qui est important. Tout le monde donc s'y est mis, les gens ont nettoyé et effectivement la gare routière a été bien nettoyée. Effectivement, nous constatons des flaques d'eau un peu partout. C'est tout à fait normal parce que nous venons d'enregistrer la première grande pluie pour la commune de Kolda. Ça nous permettra de tirer des enseignements et de voir les actions à mener parce que très prochainement nous allons conduire la commission auxiliaire de protection civile pour voir donc les sites inondables en vue de voir quelles sont les mesures à prendre afin donc d'éviter que ces situations d'inondation puissent perdurer.